Les êtres exceptionnels qui sortent du lot sont l'essence même du cinéma. Mais certains sont si exceptionnels que des réalisateurs deviennent alors fascinés par l'idée même d'être extraordinaire. Le réalisateur doit nous en parler aujourd'hui, conçoit l'ensemble de sa filmographie comme la naissance de l'outsider au sein d'une communauté. Christophe Baratier est un réalisateur d'origine française qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 20 ans. Il a explosé assez rapidement grâce à un succès populaire qui lui vaudra la reconnaissance de ses pairs, mais également une énorme pression sur la suite de son œuvre qui en sera fortement impactée, car faute de se renouveler, celui-ci cherchera à explorer les mêmes thématiques en abordant d'un peu trop près les mêmes bases que son succès. Succès qu'il doit au film L'Écoriste, reconnu par le grand public, mais qui par la suite a attiré le regard sur cet auteur dont il s'agissait du premier long métrage en tant que metteur en scène. Suite à cela, il se passionnera pour l'enfance et le passage à l'âge adulte en plaçant ses personnages dans des contextes propres à la remise en cause. Ainsi, l'enfance devient le centre de son cinéma et la base d'une exploration cinématographique de l'émotion acerbe qui parvient à transcender les âges par le biais d'un regard tendre, parfois peut-être un peu niais, sur la vie et surtout sur le monde tel que l'on a pu le voir. Par là même, Baratier aime se pencher sur l'histoire, autant celle avec un petit qu'avec un grand H, celle qui permet à l'être humain de saisir ses erreurs, ses fautes, mais avant tout, de se rappeler que peu importe le contexte ou la situation dans laquelle on se trouve, il faut toujours chercher à garder espoir. Devenant ainsi le messager d'une humanité dans laquelle il veut croire, ce metteur en scène cherchera à prendre l'enfance comme le témoin d'un changement de l'histoire ou des mentalités. La Seconde Guerre mondiale, les années folles ou un contexte politique et sociétal fort deviennent alors la base d'une remise en question de l'être humain face aux autres. La compréhension de l'être humain devient alors une base de travail pour Baratier, qui ne cherche plus alors simplement à nous regarder agir et subir les conséquences de nos actes, mais cherche également à nous remettre en cause. En posant ainsi comme base réflexive une réinterprétation de notre monde par le regard de ses personnages, il donne alors une identité forte à ses outsiders pour faire ressortir par là même l'idée que leur arrivée dans le récit n'est pas simplement là pour nous divertir, mais également pour changer le monde et nos idéaux. C'est là la base de travail de Baratier qui cherche à donner à ses hommes et à ses femmes une possibilité de ne pas s'enfermer dans un contexte mais de le révolutionner. Endoctrinés par un système, ses héros vont alors chercher à en comprendre les rouages pour le changer et le faire évoluer. Changer le monde en le comprenant de l'intérieur pour ainsi en réparer les fautes et aider ses congénères à avancer par la même dans la direction opposée à celle qui les avait amenés dans ce monde et qui les avait bloqués. On pourra toujours reprocher à Baratier de voir le monde simplement, mais il a au moins l'avantage de chercher dans son cinéma une possibilité de rédemption et de compréhension de notre monde, emmené par des personnages qui ne sont plus simplement un rouage du système, mais bien un élément important d'une révolution en marche. Plonger dans le cinéma de Christophe Baratier, c'est chercher à saisir par le biais d'outsiders l'idée même de compréhension du monde pour le révolutionner. Baratier pourra toujours être traité de simplet ou même de bisounours, son cinéma, lui, cherche à nous faire assimiler le besoin de changer les mentalités pour changer le monde. Thank you.